Et salut tout le monde, c'est Yayo, et enfin on se retrouve pour un nouvel épisode de... Ouais. Beau holographique. Palmier holographique. Panneau. Quoi? Éclairage panneau, finesse murale. Quoi? Quoi toi? Éclairage mural, panneau, finesse. Éclairage mural. Ah, éclairage mural. Amas, causeuse. Lampe de table. Lampe de table. Tapis. Tapis. Sculpture de plantes. Sculpture de plantes. Sculpture de plantes. Jardin. Ah, siège de salle à manger. Guéridon, machin. Guéridon? Qu'est-ce que c'est un guéridon déjà? VG cube. Ah mince, c'était ça. Ascenseur. Télévision. Télévision. Là. Plan de travail impeccable. Meubles. Meubles. Il y a des meubles partout là en fait. Hein. Ah, ça y est. Bien joué. Quoi? C'est bas, c'est pas ce que j'ai. On clique partout. Pourquoi ça clignote là? Double porte. C'est pas ça, double. Ah non. Ah si. Au vent. Au vent insulaire. Bouée de plongée. Applique soleil éclatant. Quoi? Applique soleil éclatant. Rondondondondondron violet. Un truc violet, il me faut là. Ah, c'était un arbre. Paysage d'île, un autre arbre. Sentier de feu. Et salut tout le monde, c'est Yayo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Let's Play Sunset Dive. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien comme d'habitude. Il fait beau, il fait moins chaud qu'en été, mais c'est normal parce qu'on n'est plus en été, donc voilà, c'est normal en fait. Ouais. Non, si t'as chaud c'est un problème. C'est pas la saison qui fait ça. Bon, est-ce que vous allez bien? Ouais, vous allez bien. C'est génial. Si vous allez pas bien, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos parce que comme ça, vous serez super bien. Non, je rigole évidemment. Vive la modestie. On se retrouve donc. Attendez, est-ce que la qualité des arbres m'intrigue là? De quel droit sont-ils comme ça? On dirait des. Il manque des branches, non? Bref, on s'en fout. Alors, oui, on se retrouve sur Sunset Died. Donc, bon, cette fois, vous avez remarqué, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Je vous dois des excuses. Non, je rigole. Je vous dois pas d'excuses, parce que... Si je vous devais des excuses... Où irait la photo? Voilà. Donc, oui, excusez-moi, parce que... Photo. Pas d'épisode. Alors, pourquoi... c'était... Oui, bon, la reprise des cours... du boulot... la fin des vacances, quoi. Et pourquoi aussi... Oui, bah après, pendant les vacances. Donc, j'étais en vacances à la plage et tout. Et on va réussir à toucher la mer, j'espère. Ouais, voilà. Photo. Donc évidemment, malheureusement, il n'y a pas eu de, je n'ai pas eu l'occasion ni la force quand j'aurais pu le faire de tourner des épisodes de Sunset Died. Sauf que maintenant, bah, je suis prêt. Oh, c'est beau ça. Attendez, faut que je trouve la touche qui. Ah ouais, vous savez. Ah, attendez, attendez. Hein. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait dans la famille. Je me suis un peu renseigné. J'aimerais juste essayer un truc, là. Voilà, imaginons, je suis comme ça. Hop. Ok, alors. Hop. Ah, dommage, ça fait pas l'effet que je veux. Ah, à moins que je triche... Alors attendez.
Ah! J'ai réussi. Vous avez vu cet effet trop bien? Je comprends pas, ça marche pas en reculant. Enfin bref. Donc voilà, c'était un effet trop cool que je viens d'avoir l'idée d'essayer. Et on se retrouve donc à Sunset Light. Vous voyez, la ville n'a pas changé. Mis à part les maisons donc qu'on avait rénovées. Et dernière maison en date qu'on a rénovée, évidemment, c'est bah la nôtre. Donc, je vais vous remontrer ce qu'on a fait. Hop là, on avait fait une maison comme ça. On avait remis du gazon, on avait remis l'herbe. Je vous invite à aller voir le premier épisode où on voit la maison, pardon, dans la ville d'origine, bah, sans mes modifications, etc. Et bon, bah évidemment, ça a énormément changé. Si on regarde comme ça, on pourrait presque croire qu'on n'est plus à Sunset Dive. Alors, on a notre amie Irène qui se bouche les oreilles. Irène qui est là. Thompson Garde qui a des puces. Oula! What the... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai acheté le disque additionnel en route vers le futur. Et ça, c'est le portail que, bon, vous devez tous être au courant. Mais je savais pas que ça apparaissait comme la pierre météorologique. Là, je sais pas. Météorologique. Météorologique. Alors, c'est quoi ça? Examiner le portail. D'accord, en fait, ça apparaît aléatoirement sur un terrain. Portail temporel. Et on peut le visiter. Bah vous savez quoi? On ira faire un tour dans le futur. Juste un petit tour. Pour voir en l'état actuel notre famille. Parce qu'il faut savoir que dans le disque additionnel, quand on va dans le futur, on peut voir ses descendants. Et les descendants sont calculés en fait sur la base de, bah, du nombre de personnes dans la famille, des enfants, des liens, de l'argent du foyer, de la taille du terrain, il me semble, de l'âge aussi des gens, je me rappelle plus quoi d'autre, mais je crois que c'est... Ah bah attendez, ça a marqué. Ah non, je crois qu'il faut d'abord... Ouais, il faut d'abord débloquer. Bref, donc on peut voir les descendants, et je serais curieux de voir, en l'état actuel de notre famille, c'est-à-dire avec 11 000 de fonds, une maison pas très commode, etc., où habiterons-nous dans le futur? Vous voyez un peu le délire, là? Genre, ouais, on est à Sunset Dive, non, on peut voir le futur, comment c'est? Donc j'aimerais bien faire... un épisode dans le futur, et vu que le futur est sorti il n'y a pas longtemps, et ben je pense que ça va être cet épisode où nous allons aller dans le futur. Alors, ceux qui attendaient bah, le nouvel épisode de Sunset Dive pour repartir dans la ville et tout, je suis désolé, bon, ce sera toujours amusant, mais on va aller dans le futur juste pour un épisode, hein, évidemment, et voilà pour voir nos descendants comment ils seront, comment ça va se porter. Ça peut être super intéressant. Je rappelle aussi que dans le scénario principal, parce que mon petit let's play a quand même un petit scénario, et je rappelle que on attend la venue de Yayo de mon Sims, de mon Sim, qu'on a appelé en plein JT. Je vous invite à voir les épisodes précédents, je me rappelle plus du tout lequel, désolé. Si je m'en souviens, je vous le mettrai en commentaire. Enfin, mettez-le en commentaire si j'ai oublié, enfin bref. Et je vous donnerai le lien de la vidéo. Et en fait, on attend Yayo qui est censé venir nous aider pour nous sortir d'ici. Car il y a eu pas mal d'événements assez tristes, comme la mort d'un enfant, etc. Du coup, bah, Yayo a réussi... non, comment il s'appelle? Tom a réussi à contacter Yayo pour qu'il vienne les chercher, en fait. En gros, c'est ça. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas compris pendant l'appel téléphonique qui se sont passés. Et on attend donc toujours Yayo, qui n'est pas arrivé. Et on ne sait pas ce qu'il fait, en fait, pour le moment. Et d'ailleurs, je vous inviterai à voir le prochain visite guidée, une autre émission sur les Sims, où je visite des mondes, pour avoir un indice sur ce qui va se passer dans la suite de Sunset Dive, dans le scénario principal. Enfin bref, voilà. Mais là, j'ai envie d'aller dans le futur, alors j'espère que vous aussi. On va juste continuer notre tour de la famille. Donc, Irène? Ouais. Irène a eu des jumeaux. Donc, la petite Gaïa et le petit Ezio Auditore. Ou Ezio Sungard. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le psy? Il va rien faire. Lui, il a des puces. Alors, il n'y a pas moyen de se laver des puces, là. Comment?
Ah bon, il faut juste prendre un bain. Donc on va vite prendre un bain. Le petit là, il est vraiment sale. J'espère qu'elle va le changer. Ouais, juste faire ça. Changer la couche sale, voilà. Ah, c'est vrai que c'est une fée, hein. Peut-être qu'on pourra prendre ses pouvoirs pour nous aider. Allez, on attend. Ah oui, alors pour aller dans le futur, faut faire une quête. Faut faire une quête, donc j'espère que ce sera réalisable même ici. Serrer Tommy contre soi. Voir un fantôme. Bon, je pense qu'il a déjà plus de puces. Ah si. Ah oui, j'ai essayé le nouveau point de le nouveau chargement interactif et c'est un exploit que j'arrive jamais à trouver quoi que ce soit parce que souvent quand le jeu charge les trucs à chercher défilent très vite. Genre il me dit chercher banc, chercher machin, chercher truc et le chargement est déjà fini et je suis dans ma partie. Sauf que je sais pas pourquoi, avec Sunset Died et, une autre partie, enfin avec certaines parties, ça prend beaucoup plus de temps. Donc j'ai eu le temps de jouer là et c'était assez drôle. J'enregistrais parce que je faisais un petit test de son, je fais toujours un test de son pour vérifier que ce soit pas trop horrible. Et je vous montrerai ceux qui n'ont pas mis la mise à jour, parce que c'est dans la mise à jour du jeu. Hein. Hop là, allez, on va tout de suite aller au portail. Où est-il passé ce portail? Ici. Hop là. Examinez le portail. J'espère. Oh bah c'est bien. Il court comme ça. Pour le moment, on va s'occuper des autres. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle. Félicité. Félicité pourquoi? On va voir ça. Oula! Ah, parce qu'il mange dans la gamelle. Oh, il est trop rôme. Qu'est-ce qu'il a? Il est trempé! Oh non, on peut pas le sécher. Tiens, je joue. La lune, où est-elle? Reviendra-t-elle? Où Tommy l'a mise en colère? Tommy n'arrive pas à se concentrer sur la présence de la lune au-dessus de lui. Oh, c'est trop mignon ça. Oula. C'est supra mignon. Ah, il a des dents de vampire. Oh, comme le petit. Oh. Comme c'est la lune vide là, je passe la nouvelle lune. Le petit, il cherche la pleine lune. Oh. Supra mignon ça. Il a une bonne bouille. Hein. Alors, c'est trop mignon ça. Oula, qu'est-ce qu'il a? Ah, il a faim. Hop là. Donner le biberon. Est-ce que lui, il a appris à manger, etc. À manger, à parler et tout. Oh là là, non. Va falloir qu'il le fasse. Hein. Se marier. Se marier, mais t'as pas de mari. Hein. Il est mort. Ouais, jouer un tour. Son mari est mort en fait, donc je sais pas avec qui il veut se marier. Oula, c'est quoi ça? Recevoir la. La quoi? L'almanach? 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 Du temps, je sais pas ce que c'est, je me renseignerai. Bonjour, je suis maître de. Ok. Donc, il me donne. Ça. Il me le donne rapidement. Voilà, tu peux le faire. Et notre première quête pour pouvoir accéder au portail. Aider un voyageur dans le temps. Non, dans la malène, j'étais sur le chemin de re pour retourner chez moi à Oasis Landing. Lorsque mon portail temporel a subi un incident technique. Ces cellules d'alimentation ont été parties, éparpillées un peu partout. Pouvez-vous m'aider à le récupérer? Retrouver les cellules. Qu'est-ce qu'elle me prend en photo, elle? Ah ouais, je suis une star!
Putain, on a des paparazzis et tout là. C'est pas mal ça. Ah oui aussi, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais mon jeu est beaucoup plus fluide. Je sais pas si j'ai remis mes options graphiques. Ouais, c'est pas bon. Mon jeu est super fluide parce que je crois avoir trouvé une technique révolutionnaire de la mort qui trucide, qui m'étonne. Mais le truc, c'est voilà, elle est tellement bien, et ça m'a tellement étonné que je comprends pas comment ça se fait qu'elle soit pas plus connue. Donc avant de vous dire des bêtises, je vais me renseigner. Et suivez-moi sur Facebook, etc. Puis je vous le dirai en vidéo. Si mes tests sont concluants, je vous donnerai cette technique qui est un peu genre... Alléluia. Franchement. Hein. Mais le truc, c'est que ça a tellement bien fonctionné avec moi que je comprends pas comment ça se fait que personne ne... il prête attention, je sais pas. Alors normalement, sur notre terrain, il est censé... y avoir des trucs. Moins que ce soit sur le terrain où se trouve la machine. Ah ouais, j'ai dans le temps en fait. On va voir ça. L'autre qui prend des notes. Ouais, c'est ça, c'est sur le terrain. Et vous voyez, il y en a qui sont apparus là. Ce sont des petits trucs là, des cellules d'alimentation qu'il va falloir récupérer comme des champignons. Hop là. L'autre qui nous suit. Deux. Trois. Oula, il y en a plein. Hop là. Hop là. Hop là. Bon, c'est pas très dur. Hein. Avec un monde ouvert, quand même, ils auraient pu compliquer vachement la tâche. Mais la rendre intéressante. Sauf que pas du tout. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? On va lui donner tout de suite ce qu'on a trouvé. Ah oui, là, le garou. Quoi? Grosse coupe. Des rumeurs disent que Irene Sungard a un enfant illégitime. Quoi? Attendez, c'est vrai ou pas? Regardez ça dans notre machin. Un enfant illégitime, c'est-à-dire. Ça, c'est son frère. C'est quoi ça? Pourquoi on voit pas son mari? Ah, voilà. Donc, ça, voilà. Alexis, Irène, ils ont fait Gaïa. Je comprends pas. D'enfant illégitime. Attends. Ah, un enfant illégitime. Non, mais c'est faux. Normalement, il faudrait en fait porter plainte au fond du futur. Voilà, faudrait faire un procès pour diffamation, si je me trompe pas. Sauf que, évidemment, la mairie est hors d'état, là. Elle est complètement détruite. Donc, on va devoir vivre avec cette honte. Et se discréditer du public. Mais là, on s'en moque. On veut aller dans le futur. Purée, purée. Grosse coupe. Grâce à vous, Jonathan peut retourner chez lui. Pourquoi ne pas suivre voir maintenant. Ah, oh, c'est déjà fini la quête. Oh punaise, quand même, ils auraient pu faire. Oui, dans le futur. J'avais fait une transformation mystique. Ok, on peut pas. Ah oh, non. J'espère qu'on peut se détransformer. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc on peut pas y aller, je sais pas pourquoi. Ouais, voyager dans le futur. Bon, on va y aller seul. Hein. Accepté. Et les amis, c'est parti pour partir dans le futur. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous avez capté. Mon écran a tremblé à mort. Alors, soit c'est un bug, soit il y a eu un tremblement de terre au moment où je suis parti de la ville. Ou. Enfin, je sais pas. Mais là, vous voyez, je suis complètement
bloqué, enfin bref, c'est n'importe quoi. Soit ça se bloque, soit ça va normal, soit ça va trop vite. Bah ouais, là, bah, ils le disent, les temps de réponse peuvent varier pendant que votre jeu se charge. Si vous souhaitez, vous pouvez arrêter les participations à cette expérience en vous rendant le menu option. À mon avis, je vais l'arrêter, et d'ailleurs, je vais l'arrêter pour pouvoir voir à quoi ressemble le vrai écran de chargement. Sans ça. Fenêtre, soleil. Ascenseur. C'est toujours les mêmes objets qu'il faut trouver. Vous voyez, ça se... Je comprends pas. Ça, c'est là, ce que vous voyez à droite avec le décor, c'est un mur qui me fait un fond en hologramme. Et il y a un indice sur les Sims 4, je sais pas comment le voir. On n'a pas notre projection fantastique. Bref, je vous reprends quand le chargement est terminé. Chers amis. Je suis choqué. Ça fait 22 minutes qu'on est en vidéo. 22 minutes. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais prévu de faire plein de trucs dans le futur, sauf que l'épisode est déjà terminé. Donc je suis désolé, on va devoir se laisser là. Parce que si je fais plus long, ça va être invivable pour le donner. Donc je sais pas ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Bon, on est... Ouais, bon... Ah oui, non. On est allé au futur, on a revu notre petite famille. Enfin bref, ça, moi j'ai été vachement content de refaire contact avec cette famille. En fait, je l'aime beaucoup. Et bon bah, cet épisode sera en route vers le futur. L'épisode prochain, le prochain, ce sera dans le futur. Donc voilà les amis, je vous dis merci. J'espère que cet épisode vous a plu de 22-23 minutes. Moi, je vous remercie plus que tout d'être là. Commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Allez voir les autres vidéos si vous en avez envie. Et merci beaucoup à tous. Et je vais couper maintenant, comme ça vous ne verrez pas. Ciao!